pour cette manche série B catégorie D3. Je disais donc trois de couleur François Mère, Fleury Guillaume, Jean-Louis Nicolas. Les trois premiers, c'est Fleury Guillaume, le numéro 92, il me semble, qui est en tête. Jean-Louis Nicolas, les places sont conservées en seconde position. Troisième place, et bien c'est le numéro 9 de Le Grand Jonathan. Le grand Jonathan qui était parti de la 5e place, qui se retrouve actuellement en 3e position, très belle remontée. Il a gagné 2 places sur sa place au départ. Et là, c'est pas les places qui sont les plus faciles à garder, mais la bagarre elle est là. Elle est entre le 2e et le 3e. Flandroy Nicolas, très très chaud au pont d'échappement, si je puis me permettre l'expression. Et en 92, Fleury Guillaume en tête, Flandroy Nicolas qui se fait doubler par sa droite, par le numéro 9 de la grande Jonathan. Et puis c'est le la base de la première, l'outsider, le numéro 26 de Roche-Tokimo, qui veut essayer lui aussi de faire sa place, mais pour l'instant, seul Flandroy Nicolas a perdu sa seconde position à l'avantage de le grand Jonathan, le numéro 9. Pour l'instant, rien de changé, 92 tout le temps en tête, il y a plus quelques lumières d'avance. Il n'était pas dans la meilleure, notre ami Fleury Guillaume, donc il n'a pas été retardé, c'est le numéro 9 qui se met. Ah, ça poursuit alors que Flandroy Nicolas, le numéro 43, n'a pas décidé de s'en laisser tromper. Lui qui est à l'attaque juste derrière, on a le Baptiste qui attaque également. Et qui ravit la porte de place, ou qui ne l'a ravi pas, il a ravi, il a pris, ah, c'est pas gagné. Ah, mon ami, c'est perdu là, cette troisième, et l'autre, on va lui faire un jeu extérieur. La bagarre, elle est là. Elle est dans ce peloton de outsider. 43, Flandroy Nicolas, pourtant en 3e position, juste derrière la numéro 9 de Le Mans, Jonathan. 4e place pour le 26, Roche-Tokimo qui reprend la 3e position. Alors qu'on a un numéro 6, Ramon Florent, qui est à l'arrière à la fin. Désormais, Flandroy a perdu sa 3e place. Au bénéfice de Roche-Tokimo qui, je le rappelle, était parti de la 6e place et qui se retrouve actuellement en 3e position alors que le 92 se raconte toujours en tête. Loin devant le 92 de Fleury Guillaume. Et là, ça va être le drapeau d'avion et la combat, une attaque. Une attaque du numéro 26, Roche-Tokimo pour le 42. Sa place, sa troisième position dans la colonne de rebondissement dans cette manche. On a eu une espèce de bagarre pour cette troisième place.